Coucou et bienvenue sur la chaîne Scrap. Voilà, ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer quelques petits trucs que j'ai fait, enfin que j'ai rangé. Voilà. Donc en premier, ceci, mon classeur. Faites votre classeur. Le classeur de mes petites abonnées. Donc, je vais me faire un classeur comme ça, tous les ans. Voilà. J'ai essayé de en faire un comme ça tous les ans et je marquerai. Voyez, là j'ai mis une petite étiquette et j'ai mis mes abonnés sur ma chaîne Jeannette Scrap YouTube année 2018. Voilà. Et ceci, comme j'ai demandé pour mon concours que vous me fassiez un ATC, et du coup là j'ai commencé. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait des petites pochettes comme ceci. Et là, pour la première fois, du coup, j'ai mis le nom, le prénom, votre adresse, le pseudo, si vous avez une chaîne, si vous n'avez pas de chaîne. J'ai mis quand vous avez participé à un concours, quand vous avez fait, quand on a fait un échange d'ATC, tout ça, etc. Vous voyez, là j'ai une petite abonnée qui a fait mes trois concours, qui s'est abonnée tout au début et qui m'a fait mes trois concours que j'ai là. C'est Audrey D. Donc là, Audrey D, en premier, j'ai marqué abonné Audrey D. Enfin, je vous dis que ce sont les deux premières lettres, hein, je ne vous dis pas son nom complet. Après, j'ai mis son adresse. Tac, 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 tac. Elle m'a mis sa date de naissance, donc j'ai mis la date de naissance, le pseudo de YouTube, tac tac tac. Donc je sais qu'elle a participé, moi j'ai marqué, je savais qu'elle avait participé à mon premier concours pour mes 100 abonnés du 26 février au 21 mars 2018, qu'elle avait participé à mon deuxième concours et qu'elle a participé à mon troisième concours, mes 500 abonnés, et qu'on a fait un échange d'ATC et de bricole. Voilà. Donc comme ça, j'ai tout sous les yeux et je suis contente. Et pour la première feuille de chaque abonné, j'ai voulu mettre donc leur petite carte qu'elles m'ont fait, le petit ATC, hein, avec leur pseudo, donc l'adresse, leur pseudo s'ils ont une chaîne YouTube, leur nom et prénom. Et puis voilà, hein, voilà, je n'en demandais pas plus. Donc c'est le pseudo, le nom, le prénom, l'adresse, et si vous avez une chaîne. Voilà, comme ça, et je suis très contente car hop, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et en premier, du coup, donc j'ai voulu, comme là on le fait pour les 500 abonnés, donc la première carte que vous m'envoyez, je la mets derrière. Voilà, avec ceci. Et donc au fur et à mesure, ben, je mettrai, vous aurez votre petite pochette. Au fur et à mesure, je marquerai. Voilà. Et moi, je suis très contente. Et là, j'ai plus qu'à faire des pour séparer mes par, donc je vais vous mettre par ordre alphabétique, hein, et comme ça, j'aurai plus qu'à retrouver. Vous voyez, j'ai fait tout ça. Voilà. Avec vos premières petites cartes qui sont là. Voilà. Donc, j'ai eu déjà 9 courriers pour mon concours. Et je suis très contente parce que comme ça, moi, je vais voir tous vos ATC avec vos adresses, tout ça. Et ça, j'y tenais beaucoup. Vous voyez, j'y tenais énormément beaucoup. Et je suis très, très ravie. Je suis très, très contente de ceci. Donc là, j'ai plus qu'à séparer les noms de famille. Et vous voyez, j'ai préparé tous mes pochettes. Voilà. Donc, tous mes pochettes sont prêtes. Donc, on verra au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai plus qu'à mettre mes séparateurs pour séparer, pour faire pour les mettre en nom alphabétique. Voilà, ça y est, c'est sorti. Voilà, donc je suis très contente. Mon petit classeur rose, hop, en plus je vais le customiser, mon petit classeur. Ouais, j'ai envie de le faire joli. Donc je ferai un tuto et on le fera ensemble. Voilà. Après, bah j'ai rangé, je vous les avais jamais montrés. Vous savez, mes petites boîtes que j'ai achetées chez Action. Là, ils sont à 2,29 €. J'en ai acheté plusieurs.
Donc, eh ben, j'ai commencé à ranger mes boîtes. Donc, je me suis fait plein de boîtes. Donc, pour l'instant, j'en ai trois. Voilà, trois comme celle-ci. Comme ça, vous voyez, j'en ai trois. Donc, je suis très contente parce que c'est très pratique. Et pour le prix de 2,25€ ou un truc comme ça, c'est super bon. Alors, moi, ce que j'ai fait, comme je fais beaucoup de... J'aime bien le shabby, etc. Ce que j'ai fait, bah, j'ai mis tous mes embellissements shabby ici. Vous voyez. Donc, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. On va baisser un petit peu la caméra. Attendez, hop. N'ayez pas trop le vertige. Hop. Et on va baisser pour que vous voyez. Attendez. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Donc là, j'ai mis des petites... là, il y a un petit cut comme ceci. J'ai des petits boutons comme ça. Voilà. J'ai des petits trucs qu'une abonnée m'a donné. Petites étoiles de mer avec des hippocampes. Je les ai laissées là parce que c'est mon... C'est le petit style. Donc ici, j'ai mis des petits embellissements comme ceci. Pour mon shabby. Ici, j'ai mis... des petites fleurs, mais celle-ci elle a rien à faire là. Là, j'ai mis des petites tours Eiffel. Vous voyez, des petites tours Eiffel comme ceci. Ah, et la petite Chanel qui veut monter. Viens, elle monte. Oui, viens. Viens là, viens. Ah, tu veux monter de quel côté? Ah, bah voilà, elle change de côté. Viens, elle monte. Voilà, ça y est. Elle ne voit que moi en ce moment. Elle est tout le temps avec moi. Tout le temps, tout le temps. Allez, pousse-toi, Chanel. J'ai pas fini. Hop, comme ça là. Ici, une coquine en plus. Alors, on continue notre petit tour. Donc ici, je disais que j'avais mis des petites tours Eiffel. Et là, j'ai mis tout ce qu'on m'a donné, en fait. Tous les petits trucs. Vous voyez, les petites fleurs, les petites... ça, cela, ça, ça, je les adore. Regardez. J'en ai plein là qu'on m'a donné et je suis très contente. Regardez tous ces petits trucs là, j'aime bien. Alors du coup, oh, je les ai mis là, tous, tous, tous. Voilà ici. Et là, j'ai une petite abonnée qui m'a donné plein de petits trucs. J'ai pas bien fait mon tri. Là ici, c'est tout ce qui est les petits trucs comme ça que j'adore aussi. Voilà. Par contre, je ne sais plus. Je retrouve plus le mail. Par contre, ma petite abonnée qui m'a mis tout ça, je voudrais bien savoir c'est où. Je sais qu'elle habite en Allemagne, je crois. Quelque chose comme ça. Vous me direz où c'est que vous les avez eus, parce que je ne me rappelle plus. Vous me l'avez dit, mais je ne me rappelle plus. Ici, c'est un petit embellissement que Claudia m'a fait. Donc, je l'ai mis avec. Là, j'ai les petites perles d'eau. Avec une petite rose comme ceci en bois. Ici, c'est des petites fleurs. Différentes petites fleurs comme ça. Petite de chez Touga que j'avais acheté. Ici, j'ai mis des petites bricoles. Au fur et à mesure, bah, ça va monter. Hein. J'ai mis des petites bricoles. Vous voyez, un petit sac à main, un petit truc comme ça. Un petit truc comme ça qu'une abonnée m'a offert. Voilà, voilà. Vous voyez, tous les petits trucs de sur Paris. Voilà, voilà. Ici, c'est les petits papillons que j'ai découpés. Vous voyez, comme ceci. Et d'ailleurs, il me reste... ça à découper. J'ai tout un machin comme ça que j'avais eu à Noël. Ce que je vais faire, je vais récupérer le ruban et je vais découper toutes les bouts comme ça là. Comme ça, ça va me servir, vous voyez. J'ai des perles comme ça et j'ai des petites étoiles. Du coup, là, la bobine là, je vais m'amuser, je vais la découper et voilà. Ici, on m'a donné des petits nœuds, du coup, je les ai gentiment mis dans ma petite boîte ici aussi. Vous voyez. En fait, là, j'ai beaucoup de décorations qu'on m'a donné. Là, des petits napperons aussi. Voilà. Donc, je les ai mis dans la petite boîte. Ici, c'est mes petites feuilles. Vous voyez. Enfin, bref, voilà. Des petits trucs. Voilà. Des petits trucs comme ça que moi, j'ai acheté. J'ai fait mes petites coupes, mes petites découpes de... pour faire mes capsules sur le chabi. Et puis, tout ce qui est brad au niveau du chabi. Voilà, ici des petits embellissements, etc. Des feuilles, voilà. Ah, voilà, 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 voilà. Ici c'est pareil. Là c'est beaucoup plus shabby.
Donc là, j'ai mis beaucoup de feuilles, enfin des fleurs. Vous voyez les petites fleurs comme ceci. J'ai des petits arômes comme ceci. J'ai plein de petites fleurs ici comme ceci. Là, j'ai une petite fleur en petite marguerite. Là, j'ai des petites fleurs qu'une abonnée m'avait fait. Du coup, je les ai mis là-dedans parce que ça fait style shabby. Là, c'est pareil. J'ai aussi. Là, c'est des petits rubans shabby. Là, j'ai des petites pailles que Claudia, ma vasseur, m'a donné. Non, non, je ne sais plus. Si, c'est Claudia, ma soeur, qui me les avait mis pour un échange. Là, j'ai un petit porte-manteau comme ceci que j'adore. Bon, c'est une petite abonnée qui me l'avait donné. Je l'adore aussi, celle-ci. Donc, hop, elle fait partie de ma boîte. Et là, regardez, j'ai mis ma petite fleur que une petite abonnée m'a offert aussi. Voilà, ça, j'adore aussi. Du coup, je l'ai mis là. Donc là aussi, c'est pareil. Hein. C'est du washi qu'on m'a offert. Enfin, voilà quoi. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a offert que j'ai mis là. Voilà, voilà. Donc, voilà pour cette boîte-là. Ensuite, j'avais une petite perle, j'ai retrouvé une petite perle, je vais la remettre à sa place. Parce que j'aime bien, comme ça au moins, comme ça quand je vais faire un embellissement ou quelque chose, je vais me servir, hop, j'aurai tout sur la main. Ici, c'est ma boîte, bah, tout ce qui est embellissement. Alors là, j'ai mis tous comment ça s'appelle? J'ai un trou. Enfin bref, vous avez vu, c'est mes aimants. Voilà. Donc ici des embellissements de chez Action. Ici c'est les petits trucs qu'on trouve aussi de chez Action. Ici c'est les petites plumes que j'avais sur un collier que j'ai pété, que j'ai récupéré. Hop. Et en plus ça me fait des belles plumes. Un collier que je mettais plus. Hop, j'ai tout pété, j'ai tout mis là-dedans. Et là c'est des embellissements de qui viennent de chez Action. Ici c'est des petites, ça n'a rien à faire, mais bon, je les ai rangées pour pas les perdre. C'est des petites libellules comme ça, j'en ai différentes. Ici ce sont des petites fleurs qu'une abonnée m'a faites. Vous voyez, voilà. Ici c'est les petits coins pour les albums, voilà. Et puis là, c'est les cœurs de chez Action, les petits, les gros cœurs. Et puis là, différents objets aussi, différentes petites bidules, bidouilles qu'on m'a donné. Voilà, petits ours, voyez, petits trucs marins, ça c'est de chez Action, etc. Et puis là, c'est les petites bidouilles aussi. Voilà, voilà, voilà pour celle-ci. Et là, celle-ci, c'est tous les embellissements qui viennent de chez Action. Hop. Qui se colle là. Donc ici j'ai fait le tri là, c'est toutes les fleurs en bronze, voilà. Ici c'est tous les papillons, ici c'est tous les abeilles, voilà. Ici c'est les petites libellules, voilà. Ici c'est les petites fleurs comme ça, ici des petites fleurs comme ça, ici des petites fleurs comme ceci chez Action, comme ça au moins je cherche plus. Celle là aussi, et là les plus petites, voyez, voilà, voilà. Et ça c'est bien pratique parce que vous l'avez à côté de vous, vous la posez, hop, ça y est, hop, ça tient debout, vous voyez, il n'y a pas de souci. On peut le même mettre en dessous, c'est super. Moi j'aime bien, j'adore, je kiffe. Et là, c'est tout ce qui est vintage. On va commencer par celui-là. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas fini de remplir mes boîtes. Voilà, ici. C'est tous les camés que j'ai. Parce que j'en ai pas beaucoup de camés. Je cherche toujours des camés. Parce que j'aimerais bien en avoir des autres. Des camés, j'en trouve pas beaucoup. Hein. Donc j'en ai pas beaucoup de camés. J'en ai une dizaine quoi, à peu près. J'ai de ça aussi. Et là, j'ai une petite. Ma petite coquine qui m'avait offert ceci en camé. Voilà. Ici, c'est des petits cadres. Comme ceci. Ici, comme cela. Et là, c'est ce qu'il y a en rond et en ovale. Voilà. Et là, bah, c'est que des bidouilles. Voilà. Ici, j'ai mis mes papillons, mes cœurs, différentes petites choses, photos, là, des petites étiquettes. Ici, que des embellissements. Voilà. Que j'avais, qu'on m'a donné. Voilà. Plein de petits embellissements. Là, c'est pareil.
Là, ici, c'est ce qu'on m'avait fait. Donc, du coup, je les ai mis ici. C'est ce qu'on m'a offert. Les petites abonnées qui me l'ont offert. Vous voyez, ici, ça. Il oh, y en a un qui est collé. Bah, zut. Ah, bah. Va falloir que je regarde ça. Là, c'est une petite clé. Moi, oh, j'aurais dû bien enlever les scotch en dessous. Enfin, bref, voilà. Là, ce que je vais faire, je vais re-enlever parce qu'ils se sont collés. Ah, bah, zut alors. Voilà. Bah, je le ferai après. Et ah bah, je suis un petit peu embêtée. Ah bah, je vais enlever tout. Et puis voilà. Ici, c'est des petits brades. C'est pareil que j'avais et qu'on m'a offert. Là, ici, c'est des petits rubans qu'on m'a offert. Donc, je les ai mis dans mon vintage. Là, ici, c'est mes feuilles vintage. Voilà. Petits embellissements et puis des petites trucs comme ça. Vous savez, on trouvait au moment de Noël, c'était des pics. Moi, j'ai enlevé les pics et j'ai récupéré les horloges. Voilà, voilà. Voilà pour toutes mes petites boîtes. Voilà, voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis, je voulais vous montrer autre chose, mais j'ai pas le temps, donc je refais une vidéo. À tout de suite. Bisous, bisous.